Let's go! Et Maxi Sam Lucky. C'est parti sur Holobastion. Je connais pas trop les avantages de cette map pour Fox. La map est grande, c'est pratique pour les tech chase, j'imagine. Enfin, c'est pratique, non, justement, la map petite, c'est mieux. Par contre, ce qui est pratique, c'est les resets upper sur la plateforme. Et surtout, il peut tech chase sur cette plateforme aussi. Ce qui est un peu plus compliqué, mais il peut. Il peut le faire. Ça tente déjà des grosses dingueries au hobby. C'est pas parce que ça a marché une fois au set précédent qu'on peut tout se permettre, à mon grand. Ouais, ça c'est nice. Le smash qui a pas connecté, probablement grâce au Kaiken d'ailleurs. Je sais que si c'était Roy, bah il se serait pris le up smash comme un gros bolos. Ah, le fameuse technique du double ballon. Il est mort. Ouais, intécable. À 140% ou je sais même plus combien, ça dégage. Hein. Il a perfectionné le doux là. Je crois qu'il a sauté. Hein. Si je dis pas de bêtises, il a plus de saut le bougre. Ouais, Creed, ouais. Loser Final, mon gars, ça vient de commencer. Petit avantage Lucky. Gros smash en plein neutral qui passe sans aucun problème. Enfin, mais c'est quand même un des seuls persos qui peut punir de cette manière le back air de Wii Fit. C'est quand même bien dégueulasse. Ah, mal. Waouh! Double waouh! Comment, quel perso peut recover de ça? C'est dégueulasse, c'est immonde. C'est pas grave. On recommence, il est mort. Ok. C'est pas grave, on recommence. Petit Kaioken. Il n'y a plus de stun. Attends, mais je crois qu'ils arrêtent. Je crois que c'était jusqu'à 17h. Parce que j'ai un pote qui m'a dit aujourd'hui à la fac qu'il n'y avait plus, il y avait pas de tram jusqu'à 17h et qu'à 17h ça reprenait. Ça y est, ils ont pas repris depuis. Ou genre ils ont recommencé à 17h et ils ont réarrêté à nouveau. C'est un peu du bourrage en désavantage ça, le petit backer, mais tu vas me dire, il peut se permettre. Le gars a une stock complète d'avance. Et jusqu'à 20h après. Ok, ça marche. Ah, donc en gros, ils ont travaillé à 8h et 3h après dans l'après-midi, quoi. Super. Bref. Ça a du mal à jouer autour de la plateforme pour Maxisom. C'est bien dommage. Wouah, excellent repère parce que là il allait se faire reset avec des. Excellent donner parce que là il allait se faire reset avec des gros repères et probablement perdre la game. La petite remontée du coup. Trade pas favorable pour Maxisom, surtout quand le ballon se fait reflect comme ça sur sa gueule. Il est mort. Non, dommage. Il a pas tenté de donner. Ou alors il y a eu un miss input. Ce qui serait vraiment pas étonnant. C'est close, hein. C'est très close, hein. C'est bien plus close d'un coup. Et je pense que Nair Up Smash ne connecte plus à ces pourcentages-là. Oh! La dash attack qui a failli prendre le kill. On est à 119%. On pourra essayer de trouver un backer peut-être au ledge. Ça arrive grave, ouais. Ça arrive grave le ledge, c'est terminé. C'est terminé. Il y a 1-0 pour Lucky. C'était très close. Très très close même. D'accord, bah merci à lui. J'ai fait 20 games dans le bounty pour prendre Diddy Kong. C'est chaud. Mentalement, c'est épuisant. C'est dur, hein? Ça va être trop dur quand même. C'est ce que j'ai trop peur. Quand il est là avec sa banane, il va faire La banane, elle a été bon, moi, pile. Bien sûr, la biche change. Banane d'un air, ta face à chaque fois. Exact. Elle a le biche change. Rien, même la toute grande, elle a pas le biche.
charge. Ouais, mais c'est pas les mêmes propriétés d'items, malheureusement. Regarde, interromps le habit de charge. Bah, tu c'est diras ça. De Mars, interromps pas le habit de charge. Tu diras ça au donneur de Roy. Hein. Tu diras ça au gros donneur de Roy. C'est une épée aussi. Oui, c'est une épée. Tu triches aussi. Parce que là. T'as vu le disjoint de son dernier en... C'est Vas-y, Konga, porte-toi bien. Ouais, à dimanche. Moi, je suis là samedi et dimanche, Konga. Ah bah, Konga. Que le smash aurait touché. Eh oui, essayer de punir le backer de Fox, quelle mauvaise idée. Oh, donc quoi? Non, c'est dégueulasse aussi, ça va. Pikachu l'aurait esquivé. Nice, excellent trade pour Maxi Sam. Et excellent F-Smash pour Lucky. Vache, ça c'est du cas. Oh dommage. Un peu plus chargé et ça passait sans aucun problème. Et pourquoi là il est esquivé? Ça n'a aucun sens. Attends, le ballon qui a décidé de dire adieu. Allez, c'est parti pour les tilts. On grade combien de pourcents? Une trentaine? Pouah, les conversions de fou. Non mais fuck, non mais à un moment, le mec lui met 4 coups, il meurt. C'est bon aussi, c'est bon, ça suffit. Quel perso de mort. Oh ah. C'était excellent. C'était absolument excellent. Comme conversion. J'espère, Crit, que t'as vu ça. Hein. C'est relevé plutôt sur le précédent. Impossible. Non, t'as peut-être raison. J'espère que t'as très bien aimé le run-up F-Tilt, reverse F-Tilt. Je sais même pas comment appeler ça avec Wii Fit, bref, hitbox bizarre quoi. Ça a cherché un air backer je pense, ou nerf air peut-être. Sauf que là, ouais, Maxi Sam a trop du mal en niche guard, il se fait ledge trap beaucoup trop facilement, c'est terrible. Est-ce que le laser vient de taper le ballon? Non mais ça suffit aussi, quel jeu de mort. C'est le moment de trouver une grab, dommage, 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 on a un peu trop hésité. Ça fait les traps au back air, mais les timings sont trop serrés. Belle tech. Beau ballon. Qu'il le sortira peut-être du ledge. Et là, rigrab, pareil, hein, même douille, bah oui. Rigrab de ledge. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas du tout, ça. Il ne faut pas rigrab le ledge contre Fox. Mauvais plan, mauvais bail. Très, très, très mauvais bail. C'est dommage parce que ça partait très très bien pour Maxi Sam. Très 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 bien. Le laser éjecte le ballon, se rend de la merde. Voilà, je le dis. Voilà, hein, bon. Puis, hey, oh, hein, faut pas. Voilà. C'est parti pour 90. Quel dommage. On est de retour, je pense. Je crois qu'il y avait une petite déconnexion. Il est mort. Ok. Bon, tant que le Kaioken est là, c'est du even game. Mais en même temps, avec Fox, tu commences virtuellement ta game à 70%. Upper. Non. Nerf. Oh dommage le frame trap, mais finalement c'est Fox qui s'est retrouvé en frame trap, enfin qui a retrouvé, enfin orthophoniste. C'est finalement Fox qui en a profité pour frame trap Maxi Sam. Très bon choix du F-Smash, je suis pas sûr que c'était volontaire, mais en tout cas le F-Smash allait pas tuer. Donc là on préfère plutôt que stay le F-Smash pour une future situation, on préfère quand même infliger plus de pourcentage dès le début. En plus là il est encore à range de nerf F-Smash je pense. Waouh, sauf s'il se prend le petit de plus vénère. C'est bien, il a shield. Il a arrêté de se prendre des up smash dès le réveil. Mais bon, au final, ça n'a servi à rien. Il perd toutes ses stocks. À chaque fois que Lucky revient, il perd sa stock instantanément. C'est terrible. Et en même temps, ce Fox, c'est normal. Perso de dégénéré, là. J'ai le même, mais pas en furie.
Mais je le joue pas aussi bien. Face des joueurs. Ah, dommage. Le donneur était pas très bien placé. Va falloir descendre la plateforme. C'est terrifiant quand Fox commence à faire ça avec ses EPR. Mettre la pression sur les plateformes pour t'obliger à te baisser. Pour t'obliger à descendre, à faire un move, quoi que ce soit. Et les EPR qui font que des Phantom Hits, hein, que des EPR 1 depuis tout à l'heure. Que des EPR 1 depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis. C'est terrible. S'il perd la game à cause de ça, c'est tragique. Comme quoi, le perso est peut-être un des persos de DG. Waouh, excellent bait. Dommage, on s'est peut-être un peu précipité sur le punish. Excellent reverse. Ou bourrage dans le désavantage, appelez ça comme vous voulez. Il est mort. Oh, dommage. Pas d'up smash a été trouvé. Et le fer, par contre, qui prendra la game. 3. Ça va trouver les bread and butter avec le nerf, le père. On va faire gaffe à les... On a vu un saut, ça veut dire qu'une heure de jeu aurait pu être faite, c'est dommage. C'est vraiment dommageable pour les... Le deuxième castor vient d'arriver. C'est dur un peu, c'est genre super serré, comme... On va s'arrêter là. Alors, back to the match. Back to the match game. Un gros avantage pour Loïc. Oui, ça a commencé en même temps là pour le coup. La map avantage pas du tout, Samy. Maxi Sam, et surtout qu'il peut même pas à longue distance, il peut. Oh, tragique, c'est pas grave. On va se refaire. Je trouve que Maxi Sam joue beaucoup plus agressif qu'avant, par contre. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais. J'avais l'exact opposé. Donc je sais pas trop quoi en penser. Vraiment, je trouvais que il était un peu. Surtout contre toi, dans ton match, j'ai l'impression qu'il était un peu trop passif. Enfin pas passif, mais il essayait de trouver les bonnes ouvertures. Mais bon, vas-y, va trouver chez Terry. Enfin contre Terry. Bah figure-toi que Et là ouais peut-être que là il est redevenu un petit peu comme avant. Là, je pense que ça va tenter un gros F-Smash, même s'il va le foirer. Voilà. Vos moments 41, je sais plus combien, 50, je sais plus combien. Combien? 37, c'est à peu près pareil, hein, c'est les mêmes chiffres de toute façon. En plus, c'est genre le coup de pied Chun-Li, exactement. C'est le moment de. Dash attack, ah ouais, dommage. Je m'attendais pas à reverse backer. Mais... Par contre, les EPR de Lucky aujourd'hui sont tellement de bonnes. Je sais pas si t'as joué contre lui aujourd'hui, non? Non, je l'affronte là maintenant, du coup. Ouais. Mais ces EPR sont on point de fou furieux. Ce EPR, c'est quoi? C'est excellent.